coup, je porte le cadavre et je le balance à la flotte. Je regarde un marin et je regarde le sang, je fais nettoie-moi ça. Il te regarde et pour le coup, il hausse les épaules et puis il fait son chemin de l'autre côté. Par contre, effectivement, donc vous êtes en train de discuter, Rolf et Maritil et toi, et du coup, vous entendez effectivement ce gros plouf derrière vous, et vous voyez effectivement le Scorp qui se frotte les mains. Il y a le docteur qui soupire, et puis il y a Mathilde qui le regarde et qui fait faut bien que les poissons se nourrissent aussi. Hein. Et je la regarde de travers et je vais voir mes vestons. Et tu vas voir tes vestons, ok. Sur le ponton, Fiora et Gvar, qu'est-ce que vous faites? Ah bah, on cherche, moi je cherche le tube. Il me reste encore. Attends, il me reste encore des. Des mises d'érudition, ouais. Je les ai laissées parce que. Ouais. Pourraient être amenées à les utiliser. Ouais. D'accord, donc là, il n'y a pas de. J'ai pas de raison de les utiliser là. C'est toi qui vois. J'espère juste que le mec qui avait le tube n'était pas celui dans l'eau. Donc en tout cas, tu fais les poches effectivement du mec, pas de tube sur lui. Merde. Peut-être les deux, que Marinette aura plus de chance. Bah, il n'y en a qu'un seul. L'autre. Marinette est toujours à sa poursuite. Et l'autre est probablement mort dans l'eau. Et au pire des cas, son cadavre sera charrié par les flots. Enfin, refoulé. Bah non, il n'y a pas de plage, c'est un port. Bonne chance. Tu constates qu'il pleut, Fiora, que t'es toujours sous la pluie. Oui. Et je me vais me mettre à l'abri. Et je retourne au bateau, en fait. Je vais pas chercher plus longtemps. Marinette, elle est partie à perpète. On la retrouvera pas, elle va revenir toute seule. C'est une grande scie. Ok. Toi, tu montes à bord, il va à toi du coup de ton côté. Qu'est-ce que tu fais ? Les deux qui restent, on les a fouillés ? Attends, non, il y en a un qui est dans l'eau, un qui est poursuivi par Marinette, et un qui est à terre. Il y a deux cadavres, effectivement. Enfin, il y a un cadavre sur le ponton, et celui que tu as abattu. Mais je l'ai pas tué, je l'ai juste blessé, lui. Et j'ai abattu, dans le sens où il est tombé, quoi. Mais j'ai pas dit qu'il était mort. Bah. Mais il ne marchera plus jamais pareil, hein. Il marchera peut-être même probablement plus. je vais être très honnête, à cette époque-là, une balle en plein dans la hanche. Tu l'as tué ou pas? J'ai pas compris. Non, il est pas mort. Bah, ah bah déjà, je fouille les deux pour voir s'il n'y en a pas un des deux qui a le tube. Aucun des deux n'a le tube, je suppose. Aucun des deux n'a le tube. Par contre, c'est vrai que si tu veux le garder en vie, il faudra peut-être. Donc, je vais utiliser. Combien il faudrait de mise d'érudition pour le soigner? Pas pour le soigner, pour au moins faire en sorte qu'il survive suffisamment longtemps pour qu'on puisse lui poser des questions. Au moins 3. Bon bah je vais cramer 3 là. Donc tandis que toi tu remontes à petits pas, si je puis dire, Fiora, rapide mais discret, sur le navire. Tu jettes un coup d'œil en arrière et tu vois effectivement Kowalski qui a sorti de sa besace, qui a commencé à sortir ses outils et qui est en train de bricoler sur le mec. Du coup, je pensais qu'il était mort. Ouais c'est ça, pour toi, enfin il avait pris une balle pour moi, il est mort. Il a pris une balle dans le dos, il est tombé, pour toi, c'était réglé son histoire. Du coup, je vais quand même aller voir ce qu'il bricole, pas le laisser seul. Oh, toi, t'es gentil, toi. Plus par curiosité que par... Ok. Tu redescends, tu vas vers lui. Score, après que t'aies effectivement fait son... T'aies fait ton petit balançage par-dessus bord et que t'es... Tu commences à descendre effectivement en bas et tu constates que effectivement le liquide est dessus ta peau, c'est assez irritant au niveau de la peau quand même. Y'a pas un truc pour me laver les mains ou genre un torchon, un truc comme ça? Bah tu peux trouver un tissu si tu veux. Je cherche un tissu, mais ouais. Tu trouves effectivement un tissu, tu essaies d'essuyer au pont possible, mais y'a toujours cette sensation désagréable au bout de tes doigts qui reste. Y'a pas un truc genre fait pour faire sa toilette ou un truc comme ça, c'est un tonneau rempli d'eau? Si, tu vas pouvoir trouver un seau. Bah, je prends un seau, je me lave les mains. L'irritation s'en va pas, et surtout que t'as l'impression que ça irrite sous la peau en fait. Ce qui est assez curieux parce que t'as vendu certains trucs et acheté certains trucs que tu sais qui sont capables de faire fondre la peau, mais là c'est pas le cas. C'est ta première crainte en fait, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que tu t'es lavé les mains, mais là c'est pas le cas en fait. Non, c'est vraiment curieux. Mais je me dis que c'est une méthode pour si jamais quelqu'un s'il se faisait emprisonner de se suicider. Et du coup que ce truc ait touché sa peau, t'es pas sûr que ce soit super bon pour toi. Ah bah du coup je les vois avec le cadavre, enfin avec le mec qui revient. Alors ils reviennent pas, ils sont en train de le bricoler sur même le ponton.
Je lui dis, je leur dis de retirer lui, il doit posséder une fausse dent qui pour se mettre pour se suicider si jamais il s'est emprisonné. Retirez lui. Du coup, je vérifie en vitesse dans la bouche et. Sacrée haleine, ce que tu te dis. Des dents pourries, il y en a quelques-unes. Fausse, est-ce que... aucune. Aucune fausse, donc c'était que le noble qui en avait une. Et toi, par contre, ça fait tilt dans ta tête immédiatement, là, quand il te dit ça. Ouais. Il faut qu'il. Normalement, en général, dans ce genre de cas-là, ces mecs-là, ils ont toujours des fioles d'antipoison. C'est un peu ça. Donc. Je lui demande s'il a été mis en contact avec une substance qui crée une irritation qui commence à se propager sous la peau. Ouais, c'est ça. Vous semblez drôlement serein pour quelqu'un qui est potentiellement en danger de mort. Allez vérifier en vitesse sur la personne sur laquelle vous avez trouvé cette dent. Regardez s'il n'a pas une fiole sur lui. Il en avait toute une série reliée par un film et ça avait l'air plus de faire boum. Boum ? Oui, enfin, on a... Est-ce que je peux... J'ai pas envie de dire rush l'opération, ni la bâcler, mais... si j'utilise une mise d'érudition pour aller plus vite, et ensuite aller voir en vitesse pour les fioles, avec la dernière mise. Je dirais que tes mises d'érudition t'ont suffi, on va dire, à stabiliser le mec. Après, tout ce que t'as à faire, c'est refermer. Donc ça, à la limite, même la greluche de Fiora qui est à côté de toi, est capable de... si elle est capable de faire un apron... Vous y connaissez de... en broderie. Merci. En brode. Pourquoi? J'aurais besoin que vous terminiez de suturer la plaie pendant que moi je vais m'occuper de notre ami Scorb qui de toute évidence a mis les doigts sur quelque chose sur lequel il n'aurait pas dû. Qu'est-ce qui se passe ici? Je le regarde et je regarde le mec et... Je... Désolé, ce n'est pas dans... Je risquerais de l'achever. Il tend à filer une aiguille. Bah, je les prends mais... Je reste un peu perplexe. Ou alors, Rolf, est-ce que t'as déjà suturé des mecs? Ça m'est déjà arrivé, oui. Est-ce que vous pouvez terminer le boulot le temps que j'aille voir Scorg? Je crois qu'il a mis... s'est mis dans la panade. Bon, t'entends le docteur de scène à côté de toi qui regarde. Bah, non, on va éviter de faire de la boucherie, je vous en prie. Et du coup, il fait, bon, vous bougez pas, dit-il à la capitaine Rimbaud. Tandis qu'il il part en furie, même presque, je vais dire, te donne un coup d'épaule, parce que pour le coup, c'est lui qui va partir en arrière, mais va te bousculer un petit peu en disant, pardon, vous êtes sur le chemin, Rolf, en passant. Et en dansant d'un trait... Du coup, il y a un power switch, c'est ça? C'est ça, et il te fait, docteur de scène, bonjour, vous êtes Kowalski, je crois, c'est ça que j'ai entendu. En effet, Igvar Kowalski. Je vous prie, je vous laisse terminer le travail, moi je vais voir en vitesse mon camarade. Non, ça va, moi je suis reparti voir les Vesten. Hein. Tu vois, t'as entendu la petite conversation sur le truc de liquide et puis du truc irritant, etc. Ça rappelle les souvenirs de chez toi, et tu te dis, le con, il est foutu. Ouais, autant en rafistolage de mec mort, j'y connais pas grand chose, autant en substance... mortelle. En substance mortelle, je vais peut-être un peu... Une expérience un peu plus grande. C'est ça. Pas très rassurant, hein. Et tu, du coup, il y a le docteur de scène qui leur dit ah, c'est pas du mauvais boulot tout ça. Il te regarde, il fait et vous là, vous croyez que vous allez rester les bras ballants? Je lui tends. Tenez, je crois que ça va vous servir. Et je lui tends l'aiguille. Oh, pas de tâcher, il y a apprentissage avec ça devrait être-il. Allez, on commence. Vous savez faire de la borderie? Ça m'est arrivé d'en faire, oui. Ok, bah c'est tout pareil, sauf que vous faites pas un coin de croix, vous faites en diagonale. D'accord. Vous rentrez, vous sortez, vous rentrez, vous sortez, et à la fin vous coupez le fil avec les dents. Vous avez compris jusque là? Les dents. Vous savez que j'ai des dagues. Enfin, si vous avez que couper, autrement. Écoutez, vous êtes médecin, je pense que le futur de cet homme est en... Et si vous faites tirer dessus, vous allez faire quand? Vous allez pisser le sang en attendant un médecin? Ou si votre collègue qui est médecin, il se fait tirer dessus et qu'il pisse le sang, vous allez le laisser crever? Eh bien... Alors, au boulot, médecin, et ouais. On s'épêche. Du coup, bon, ben, je vais voir ce que je peux faire, mais je me mets à côté du mec et je continue là où Igvar s'était arrêté. Et il fait là, et il désigne effectivement à chaque fois avec son doigt là où tu dois mettre l'aiguille et passer le fil. Je suis ses consignes, mais bon, j'essaye de m'appliquer, mais ça sera pas brillant, hein, j'imagine. On a pas besoin que ce soit joli, c'est pas de la broderie. Donc je fais comme il m'a dit. Et donc toi, Mariette, c'est à ce moment-là que tu reviens et que tu vois effectivement Fiora en plein atelier découverte de la médecine avec...
le docteur de Seine, que tu crois te souvenir avoir vu effectivement à la réunion, mais t'en es pas sûr. Du sang presque jusqu'au poignet que c'est sur là. Et tu entends effectivement pester. Non, c'est pas possible d'avoir eu une cagoule comme ça, c'est incroyable. Hein. Vous n'êtes pas dégourdi, ma grande. Hein. Va falloir vous bouger un peu hein, si vous voulez survivre. J'hésite à le faire. Je vais rien dire. Je vais intérioriser. Et donc c'est à ça que tu assistes effectivement, Mariette, quand tu vois quand t'arrives. Qu'est-ce qui se passe ici? On voit un peu tirer la langue comme si j'étais concentré, ça. Oui. Si j'essaie de m'appliquer. Du coup, t'as le public, c'est pareil, qui va balancer un juron en faisant une voix que tu comprends. Et t'entends effectivement un magnifique ventre de dieu. À votre avis, on fait quoi ici, de la banderie? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez trouvé le tube? Je regarde. Vous n'avez pas le temps de poser des questions, concentrez-vous, dit-il en désignant la plaie. Le dernier s'est enfui. Et par contre, du coup, tu vois Ivar qui grimpe en toute catastrophe à l'échelle de corde. Donc toi, Mariette, t'assistes à ça. Est-ce que, enfin, je dirais que t'es peut-être un petit peu amusé de voir Fiora les deux mains, entre guillemets, dans le cambouis, comme dirait l'autre. Ça, oui. Mais elle qui est si précieuse, la voir comme ça, c'est jouissif. Et t'as le tout-bip qui vient de Fiora, et puis qui regarde ce que fait, effectivement, Fiora. Il fait, bon, continuez comme ça. Et vous avez intérêt de vous appliquer. Hein. Si je reviens que c'est mal fait, vous allez en prendre une. Et du coup, il se lève d'un bond et il te regarde toi et puis il fait vous là, vous croyez que vous allez faire la maline là avec votre épaule? Ah oui, j'avais oublié. De nouveau, un juron. Est-ce que si c'est un bon parbleu qui est balancé en montage du doigt dans le texte? C'est pas possible, hein. Faut croire que vous voulez collectionner, dit-il à haute voix et pour le coup à destination de Mathilde. Et il se tourne effectivement vers toi en regardant effectivement ton épaule, il fait bon. Oh, il regarde et il fait bon, au moins ça va pas l'air effectivement d'avoir cassé quoi que ce soit, ça va être passé à travers. Il a du bol. Il fouille dans sa sacoche, il sort une bouteille, il imbibe un chiffon, il te fout effectivement le chiffon sur le truc. Ça a piqué un peu quand même. Je me fais engueuler en plus. Et du coup, ça, il fait bon. A priori, c'est plus moche à voir que ça n'est dangereux, nous disons ça. Tenez-moi ça, dit-il en te filant sa sacoche, il commence à fouiller dedans. Voilà, j'ai... Bon, bougez pas, ça a piqué un peu. Et c'est pareil, il commence à passer son aiguille à cru dans ta chair pour essayer de recoudre. Je serre les dents, mais je suis forte. Ok. Alors du coup, tu peux retirer ta blessure dramatique, Sérine. Wouhou. Et j'ai envie de dire, fais-moi un petit risque de juste de résolution, s'il te plaît. Alors, résolution... Et... Et elle tombe dans les pommes. J'ai pas pleuré. Forcément, t'as pas eu le temps, tu t'es évanoui. Mais c'est pas possible de voir ça, dit-il en jurant. Eh ben, c'est pas avec ça qu'on va... Bon, et du coup... il finit, du coup, il fait... Bon, au moins, elle bouge plus. Et il finit, effectivement, de recoudre. Il coupe le fil, et puis il fait... Il te met une grande claque pour te réveiller. Mais j'adore ce mec. Je le déteste. Et c'est bon, c'est fini la sieste. Bon, je crois qu'on vous attend à bord du bateau, faites vite. Et toi, je vais m'occuper effectivement de mon assistante. Et il se retourne en arrière, et toi, tu auras du coup, dis-moi. Je lui jette un regard noir. On pourrait dire littéralement, mais... Maintenant, okay. évite de maudire notre tout-bip, s'il te plaît. Et du coup, il regarde, et puis il fait « Bon, alors, vous en êtes tout, vous avez pas traîné, j'espère ?» C'est bon, j'ai terminé. Ouais. Pas une œuvre d'art, mais on s'en contentera, hein. De toute façon, cet homme va mourir. Je le trouve bien défaitiste, ma petite. Y a personne qui meurt quand je m'occupe de lui. Non, non, mais attendez de voir les autres bourrins qui vont les questionner. Ah, parce que vous allez les questionner? C'est bien la peine qu'on sait ce qu'un, ça va réparer. Bah, c'est justement le but. Bon, restez pas les bras ballants, allez. Aidez-moi à le porter. Pardon? Ah, parce qu'en plus, c'est sourd. Non, mais sans déconner. Demandez à Marinette plutôt. Mais, au frais, je regarde fait avec son bras, je suis pas esquinté à lui recoudre pour que ça se trouve. Et allez, ben, on se dépêche. Il y a des marins plein de navires, allez leur en demander. Je vais pas faire emmerder un marin qui... On se dépêche, j'ai dit. Bon bah je le prends, mais bon, je lui laisse porter tout le poids quand même, autant que je peux. C'est pas possible, t'es pas aussi dégourdi que ça. C'est quoi le plus lourd, les jambes ou le tronc? Je dirais que c'est le tronc. Ouais, si donc je prends par les jambes alors. Je sais pas, j'ai jamais soulevé de cadavre, pardon. Ouais, tu te contentais de les laisser sur place, toi. Et du coup, effectivement, tous les trois, vous commencez à faire votre chemin vers le navire pour remonter.
Du coup, Rolf, t'as vu passer Igvar en toute trombe, remonter comme un acharné, effectivement, l'échelle de corde du navire. Ok. Et partir, et du coup, en fait, toi, t'arrives, effectivement, Igvar, tu vois que Skorg n'est plus là, qu'il est reparti, tu sais pas trop où. Je vais le tuer avant qu'il meure. Et tu vois, effectivement, donc toi, Rolf, qui cherche partout du regard, tu supposes Skorg, t'en es pas sûr. Il est passé où? Cet empapé de Vesten! Pourquoi vous cherchez? Mais parce qu'il a mis la main sur un poison très toxique! De quoi? Je les entends parler. Oui, c'est suffisamment. Ils parlent suffisamment fort, je pense que tu peux entendre depuis le bas du navire. Ce blaireau va crever! Ah, oh, mais c'est pas vrai, mais on continue dans les mauvaises nouvelles. Je crois qu'il est retourné voir ce. Les autres Vesten qu'il avait recrutés. Mais dites quand même pas qu'il est parti picoler! Oh, très certainement, le connaissant. Et du coup, Igvar, tu descends. Je dirais pas à bride abattue, mais du coup, à toute berzingue, les marches sur bois qui t'amènent à. Et du coup, moi je dis aux autres de faire remonter le prisonnier, hein, s'il est toujours en bas. Au moment où tu te penches pour voir, tu vois effectivement ouais. Le médecin qui est en train d'invectiver Fiora pour lui dire: mais c'est pas possible d'être aussi mollasson! Moi je l'insulte en vodaché. Ouais, c'est pas la peine de parler votre langue de barbare là, je comprends pas. Bah, s'il le dit en montaginois, je comprends pas. Ah, non, il l'a dit en ancien terrain. Lui il parle que en ancien terrain avec vous. Je m'en fous, je l'ai quand même insulté. En descendant, si j'arrive à mettre la main sur une paire de gants en cuir. Parce que ce poison peut passer d'une peau à l'autre. Ouais. On est dans la soute. Trois ponts effectivement sur la baie traversée, le pont supérieur, le pont de batterie et la soute. On est descendu tous du coup. Là pour le coup, je suis effectivement la caverne sur Ivar qui descend à toute halte et qui chope effectivement les gants d'un marin qui traînait par terre. Moi je suis. Et toi Skorg, dis-moi ce que t'es descendu faire avec tes Vesten. Je leur dis ça va, votre intégration se passe bien. Et ils te regardent et puis ils vont quand on ne doit pas transporter des caisses dangereuses, ouais ça va. Et c'est vrai que tu leur as demandé de transporter des caisses dangereuses. Et je leur fais dites-moi, je parle en Vesten hein, évidemment. Dites-moi, Mathilde, elle fait souvent des allers-retours du bateau vers la ville ou pas? Ah, parce qu'il fait qu'on la surveille aussi. Non, mais sans blague. Question que je pose. Je sais pas, elle s'est tirée en ville, là, et puis... a priori, elle est revenue, quand on l'a entendu gueuler. Très bien, ça vous dirait de vous faire un peu de blé? Écoute, si tu payes, c'est bon qu'on n'a pas beaucoup vu la couleur de l'argent depuis toute cette histoire, quoi, donc... Je leur dis, j'ai un petit boulot à vous proposer. Et je pose les bagues sur la table. Et je leur dis, vous êtes mes yeux et mes oreilles sur ce bateau. Et il y aura leur petite sœur. Et j'utilise mon point d'héroïsme pour... Ok, pour sceller le deal. Pour sceller le deal, exactement. Et il va relancer, puis il va faire, écoute... 10% de ce que tu toucheras la prochaine fois, et c'est ok. En plus. J'allais leur proposer plus, mais ok. t'as utilisé ton produit russe, donc je peux pas effectivement dire à jouer à 75%. Hein, Très bien, par contre, vous bossez pour moi, on est d'accord. Si bosser pour toi, ça veut dire c'est la coulée douce à bord, ça va. Hein. Non, il y aura pas que c'est la coulée douce à bord. Ah merde. Et vous aurez 20% de tout ce que je touche. Et t'as Clarissa du coup qui fait signe genre monte. Allez 25 et c'est un 10. 22,5. Oh putain non. L'enfer. 21 dit-il. Oh, mais non, ça mais marche. Non, mais joue pas le jeu toi aussi. Ça marche et genre du coup je pour leur serrer la main et après je me rappelle que j'ai un truc bizarre sur la main. Du coup j'entends mon autre niveau toi. Moi je pense que tu vas te mettre à voir flou la progression. Ouais, c'est ça, au moment en fait que tu tends ta main et tu dis merde, il y avait un truc dessus, c'est là que tu vois effectivement que ta main qui est un peu flou et c'est pareil, l'irritation elle s'est pas mal répandue jusqu'à l'avant-bras même maintenant. Et du coup je me reprends et je fais très bien. Et c'est là que t'entends effectivement des.
J'irais pas un branle-bas dans l'escalier, mais pas loin. Bah déjà que je marchais pas très bien parce que j'étais quand même blessé, de base. Ouais, aussi. Donc je me reprends comme si de rien n'était, et je fais bon bah... Allez, au boulot. Et du coup, effectivement, toi, Igvar, t'arrives, tu le cherches partout, puis tu le vois effectivement au bout du couloir, en train de discuter. Je le vois surtout en train de tituber, je suppose. Ouais, aussi un peu, ouais. Et t'espères qu'il a pas picolé. Parce que sinon le poison se répand encore plus vite, étant donné que la picole ça augmente le rythme cardiaque. Oui, déjà le fait qu'il est descendu de pont de navire, t'es le roi avec la boutique. Donc t'es au bout du couloir, tu le vois. Et lui, effectivement, il s'accroche un petit peu. Et toi, t'es en train de te dire, Scott, tu vois, c'est marrant. Il va y avoir une tempête, il y a de la houle sur le bateau. C'est moi qui vais te souffler dans les bronches, ouais. Je regarde les vaisselles, ça bouge là, non? Il te regarde, bah, vite fait. Ah merde. Et du coup, bah, je vais pour repartir. Ouais, et puis c'est là que tu vois effectivement le bout du couloir, Igvar Kolski qui te monte du en mode là. Et là, j'en fais oh merde. Mais du coup, là, l'empoisonnement il se répand pas que sur un seul bras, il se répand sur les deux puisqu'il s'est frotté les mains l'une à l'autre. Mais aussi. Puis sur son froc. Ouais, disons que. Ah ouais, mais là va falloir finir moins chaud là. Mais non, j'ai enlevé l'excédent avec un tissu avant de me laver les mains. Putain, le tissu, il est où? Il va nous contaminer tout le bateau. Oui, je sais pas. Donc t'arrives effectivement devant lui, tu vois... Non, j'ai jeté le tissu. Ah, tu l'as jeté avec le cadavre? Ouais, bon, j'ai jeté après, mais oui. On va dire ça. Quand je suis remonté, genre, je me disais, mais pourquoi j'ai toujours ça dans la main, et je l'ai balancé à la flotte. Putain. Ok, Igvar, dis-moi ce que tu fais. Bah déjà, je me précipite sur lui. Ok. Je le plaque pas au sol non plus, même si c'est pas l'envie qui m'en... Hein ? Qui me manque. Je lui trouve une place où il peut s'asseoir. De toute façon, je crois qu'il tient pas déjà plus tellement sur ses gibbles. Ouais, non, pas ouf. Bon. Bah, je l'assois et je commence à examiner ses mains. Et là, Ouais, j'ai mis des gants. Et je me rends compte que l'envenimation commence à progressivement monter... l'empoisonnement, pas l'envenimation. L'envenimation, c'est quand c'est les animaux qui te prennent. L'empoisonnement commence à gagner du terrain. Alors le souci, c'est que je suppose qu'on est dans la cale et que c'est pas très bien éclairé. Ouais, donc il y a une lanterne qui bouge ici et là, mais si tu le donc, demandes... Je demande à l'un des deux Vesten si c'est possible de... En Vestenien. En Vestenois. En veste en noix. Donc, je leur demande de ramener une lanterne et de m'éclairer. Lars, du coup, qui attrape effectivement celle qui était juste au-dessus de lui, qui s'approche de toi. Et qu'est-ce qu'il y a? Il est malade? Pire que ça. Il vous a pas touché, au moins? Il m'a serré la main, dit-il. Mais il est pas avec cette main. Oui, mais les deux sont contaminés et je lui montre sa deuxième main. Mais c'est vrai que ça gratte un peu sur la deuxième main, c'est curieux. Bah déjà je dis à l'autre de pas bouger et je l'examinerai après. J'ai dit numéro 2, bouge pas. Ah tiens putain la vache. Bon, je regarde en détail la forme des lésions. Donc histoire de voir quel type de poison ça pourrait être. Si c'est un poison qui attaque en priorité les nerfs, les tissus musculaires ou alors les vaisseaux sanguins. Okay. On peut descendre nous aussi à l'écale. Bah, donc vous l'avez vu effectivement vous passer comme un forcené. Toi tu peux si tu veux, Fiora, descendre à l'écale également. Bah oui, moi je descends à l'écale, je les rejoins. J'ai envie de dire qu'au-dessus, tous ceux qui veulent descendre. J'ai envie de dire qu'au-dessus il y a Rolf avec Mathilde et Mathilde te fait. Bah vous disiez Noya, apparemment les vôtres sont pas plus vieux, hein. Bon, en même temps c'est vrai qu'on passe plutôt bien que c'est moi qui les ai recrutés, donc je devrais aussi me poser la question. Ouais, mais en attendant c'est nous qui avons ramené l'un des trois vivants. Ben si le médecin m'aurait pas empêché, il y aurait eu 4 cadavres, hein. Et t'entends un « Mais bien sûr !» T'appuies effectivement l'une des cabines. Et du coup... Bah, Fira, tu descends, Marinette, est-ce que tu choisis descendre ou est-ce que tu restes avec Rolf et Mathilde au-dessus? Je vais rester quand même avec Mathilde, parce que j'aimerais bien comprendre un peu ce qui se passe. Pendant que je fais mon auscultation. On entend, hein. Je vous ai dit à poil depuis...
C'était quoi ce tube et qui a essayé de vous le prendre? Alors, elle te regarde et puis elle fait... Ah, vous êtes là aussi? Ah, vous aussi, vous avez eu droit au bon soin du médecin. Ok. Le tube, c'est de te laisser passer pour éviter le blocus de l'amiral... je ne sais plus comment il s'appelle, d'ailleurs. L'amiral de Rouvre qui... commande la flotte à l'extérieur. On en a d'autres? Ou c'est celui-là qu'il nous faut? Ah, non, c'est celui-là. Oh. Il est bien spécifique, il a été fait exprès. Mais Et on peut en refaire un autre exprès? Peut-être. Spécifique pour cette mission. Mais qui était donc au courant de ce fameux objet? Ah mais personne, si vous le volez. Je ne sais pas, mais en tout cas, normalement personne à l'extérieur effectivement du... Je dirais même de, je pense, la capitaine de Montfort, c'est la seule qui était au courant, donc c'était en théorie ce vaisseau-là qui était passé en premier. Les autres, même les autres capitaines n'en savent rien. Et mais donc, vu la dégaine, dit-elle en désignant du pied les mecs qui étaient, enfin le mec qui est sur le pont, de ceux-ci, je pense qu'ils sont juste tombés sur un truc qui pensait avoir de la valeur et qui l'ont embarqué, c'est débile. Donc j'ai réussi à pas me le faire piquer en prison, c'est pas pour me le faire piquer maintenant. Ce serait un hasard, donc. Ces personnes ne sauraient rien de notre expé. Ils sont plus au fait, effectivement, du but de notre expédition qu'ils ne le laissent à croire. Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'on doit beaucoup, très rapidement, se barrer, en fait. Hein. Surtout compte tenu des nouvelles. Quel est le risque concernant l'objectif de notre expédition? Donc atteindre le Nouveau Monde avec la flottille en entier, c'est un sacré plus. Si effectivement on a qu'un navire complètement moché qui arrive dans le Nouveau Monde, autant dire que ça, c'est pas gagné. J'ai du mal à comprendre quelque chose là. On est sur ce navire, la belle traversée, connue à travers tout Théa. Et là vous me dites qu'un petit objet de la taille d'un tube nous permettrait de passer un blocus avec ce même navire que tout le monde connaît. Absolument. Et je peux savoir comment? Disons que c'est un signal, je peux pas vraiment vous en dire plus. Déjà, un, parce que c'est plutôt un truc de scientifique qui a été mis au point, et c'est un signal, voilà, je pourrais pas en dire plus. Et Mathilde, excusez cette question, mais... Quel est l'objet exact de cette expédition? Parce que c'est très étrange que notre clé de sortie soit volée de la sorte. C'est bien ce qui fait peur, parce que si quelqu'un sait à quoi ça sert et le but de notre mission est qu'il l'a fait exprès pour que la mission échoue, ça veut dire qu'ils sont bien plus au courant de ce but-là que n'importe qui à bord, à part moi-même et peut-être le docteur Malzerbe. Le professeur Malzerbe. C'est que nous ne savons pas tout de cette expédition. Et que nous pourrions avoir des ennemis. Et je peux vous dire qu'effectivement, vous en serez le moins possible si tant est que c'est possible. Tout ce que je peux vous dire, c'est ce que je dis à Rolf ici présent. La mission est capitale pour sauvegarder la paix en Théa. Eh bien, cette mission a l'air d'être bien éventée. Oui, et c'est ce qui me fait peur, parce que quelqu'un a dû mettre les moyens pour. Et. Donc mon employeur n'est pas un petit joueur, si vous voyez ce que je veux dire. Mais... Ah, vous en faites quelque chose, dit-elle. Bon, vous connaissez l'objectif et le détail de cette mission, certes, mais quels pourraient être les ennemis de cette mission, et donc nos ennemis ici, qui pourraient être amenés à nous saboter? Des conspirateurs de toutes sortes, des arrivistes, des opportunistes. Nos ennemis à l'étranger, beaucoup de monde en fait. C'est pour ça que je voulais que cela se passe incognito le plus possible. Donc notre seul lien pour récupérer ce fameux signal, objet, bref, se trouve donc à l'infirmerie. Tout à fait. Eh bien, c'est qu'il parle. Oh, croyez-moi, il va parler. Eh ben, donc ça c'est sûr que je peux vous dire qu'il va débuter, c'est sûr. Donc si tant est que le docteur nous laisse faire, parce que je suis pas convaincu que
Il nous laisse bricoler un de ses patients. Ah, et puis elle se tourne vers toi, Marinette, et elle fait vous, du coup, celui qui a disparu. Vous l'avez perdu? Comment c'est passé? Comment ça? Celui que vous poursuiviez. Oui. Pourquoi il n'est pas là avec nous? Vous aviez montré des compétences dans ce domaine plutôt certaines. Je me tourne vers Marinette également. Disons que je suis arrivée à bout de force avec une balle dans le bras et en donnant toute l'énergie que j'avais en moi pour le rattraper. Je me suis retrouvée à quelques mètres de lui sans pouvoir réussir à l'atteindre. J'ai poursuivi en tentant de le suivre, sans forcément le poursuivre. Mais j'ai perdu sa trace. Qu'entendez-vous par sans forcément le poursuivre? C'est-à-dire essayer de voir où il se faufilait sans courir et user mes dernières ressources. Je me suis évanouie lorsque le médecin m'a recousue. C'est-à-dire mon état d'épuisement. Elle hausse un sourcil et tourne la tête vers toi, Rolf. Ah, du coup, je la regarde, je lui rends son regard et je crois à son histoire. Tiens la route pour moi. Il okay, faut croire que c'est l'exception qui confirme la règle, comme quoi, effectivement, le chat n'attrape pas toutes les souris, il retrouve. Tout à fait. Soit. Il va donc nous falloir trouver une autre méthode ou alors forcer le passage, ce qui risque d'être plutôt mouvementé. Pendant ce temps-là, effectivement dans la soute. Donc toi, Fiora, t'es arrivé effectivement en bas. Mm-hmm. Ça sent la sueur en bas, hein. La poudre aussi. Mm-hmm. Et le poisson. Un peu tout mêlé, c'est divin. Et tu vois effectivement Ylvar qui a fait effectivement à virer la chemise de Skorg et l'ausculter. Mm-hmm. Skorg est encore conscient ou pas? Il a l'air, mais clairement il a mais l'air d'avoir... Mais il sue! Il sue de ouf, est-ce que j'ai l'air de... Je pense qu'on avoir du mal à respirer. Skorg, dites-moi, où est-ce que vous avez trouvé... ça, le poison qui vous... Tu qui as petit feu? Oui, bon, laissez-lui quand même une chance, si vous le médecin après tout. Ouais, je la regarde avec un air un petit peu inquiet quand même. Alors dites-moi, Skorg, si vous avez encore assez de force pour me répondre. En quoi ça vous intéresse? Eh bien, peut-être que je pourrais vous dire de quoi vous êtes atteint. Il avait parlé d'une dent. Ah! Dans la dent du type. Bon, j'imagine que ça me parle, Fandral, ce genre de... Ah ouais, plutôt bien même. Bon, je hausse les épaules. Bon, mais c'est... C'est un classique. Ouais, comment ça, un classique? Donc toi, t'es plutôt adepte, effectivement, de la fameuse pommade, du rouge à lèvres aussi, très beaucoup, énormément. Il y a pas mal de versions, effectivement, de ça. Mais ça, c'est plus réservé aux agents de terrain, aux espions, ce genre de trucs. Qu'est-ce qui vous a pris d'aller trifouiller les chicots de ce mort? Ah, je sais pas, j'aurais peut-être plutôt utilisé votre stratégie, c'est-à-dire ne rien faire. Ah, très bien. Eh bien, vous savez, parfois l'inaction est la meilleure moyen de ne pas mourir empoisonné. Ah oui, c'est sûr que c'est vous... Si attendez, vous attendez, mourir... attendez, vous deux. Comment ça, c'est quelque chose que de commun? Vous savez quel poison il a été utilisé? Mais évidemment, les symptômes crient d'eux-mêmes. Vous n'avez toujours pas identifié la substance. Identifier, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est l'antidote. Ah oui, non, mais il est foutu. Le type sur lequel vous avez ramassé cette dent, il est où? À la flotte. Peut-être que là, le médecin... je me fige. Je me fige. je me fige. Je crois que je dois avoir l'air le plus teubé du monde sur le moment. Je vais être... Pourquoi? L'homme sur lequel vous avez récupéré la dent, n'avait-il pas une fiole sur lui? Mais il y en avait plusieurs, mais bon, c'était plus. Ça avait l'air plus d'être un explosif qu'un antidote. Eh bien. Je ne voudrais pas être pessimiste, mais. Bon, je vais lui appliquer déjà des garrots pour arrêter, pour faire en sorte que le poison évite d'atteindre son cœur. Ouais. Ça va serrer un peu. Je vais aller chercher le médecin de. J'ai deux options. Soit je lui fais une saignée pour drainer le sang. Rassurez-moi, ces fioles, vous ne les avez pas jetées avec le cadavre. Vous qui avez l'habitude de toujours prendre tout ce qui est intéressant sur le terrain. Je suis certain qu'il avait les poches ou quelque chose au doigt, peut-être aussi. Il avait des bugs, mais rien d'intéressant. Mm-hmm.
Parce que en général, les personnes qui ont ce genre d'artifice pour ont les moyens d'avoir d'autres des parcs tortueux. Et ben je dis au Vesten, en Vesten justement, faites voir les blagues que je viens de vous donner. Effectivement, ils te regardent, ils font OK. Mais alors, une... ça fera 30%. 30% de quoi ? Du coup, on les regarde, on les comprend pas nous. Ah, il y a qu'une. Ah mais si toi tu le comprends. OK. Je leur dis. Et tu crois que tu gagnes de l'argent si tu crèves, connard ? C'est vrai que est-ce que ça commence à le gratter lui aussi ? Il réfléchit puis il fait. Tu marques un point. Joli. Mais je pense effectivement à la petite, au pire elle aura de quoi vivre. Donc allez 20%. Non, je te les rends juste après. Abruti, genre je regarde juste si on regarde juste un antidote et après je te les rends. Ça va, et il dit effectivement les bails. Ah oui, dans notre accord c'est moi qui réfléchis hein. Ouais mais là t'es pas tellement en état de réfléchir. Je prends les bagues en... Évite de toucher les bagues. Je dis, puis-je... Ah, la pièce de monnaie, c'est un grand classique aussi, je trouve. Ivo, évite de toucher les bagues. Fiora, évite de toucher les bagues. Ou alors prenez un tissu avant de le faire. Oui, normalement, la substance ne devrait pas... Alors, oui. C'est-à-dire que tu viens de l'avoir faire avant, donc tu te dis trop tard, parce que du coup, elle a attrapé effectivement la bague avant que tu le dises. Oui, mais pour moi, c'est pas... Trace, il a mis traidatisation. Poison, oui, et c'est effectivement ce qui te passe par la tête direct. Tu te dis la garce, c'est effectivement ça qui te vient en tête en fait. Je commence à observer les bagues s'il n'y a pas un mécanisme ou un espace, une cavité cachée dans une des bagues. Ok. Donc tu regardes effectivement, pas de mécanisme apparent, tu essaies de la taper effectivement contre quelque chose pour délicatement, bien sûr, on va la briser, pour essayer de faire quelque chose avec ça, mais non, rien n'y fait, ça n'a pas l'air effectivement d'être des bagues creuses. En général, les gens qui ont ce genre de substance ont forcément un antidote sur eux, sinon, imaginez, vous mangez une pomme et le coup fatal. Oui, enfin généralement, ce genre de personnes utilisent ce genre de dents juste avant de partir en mission pour les utiliser si jamais ils se font attraper. C'est vrai, c'est vrai. D'où ma curiosité sur où se trouve l'antidote. Ouais, ils auront un antidote sur eux, du coup. Ah bah, au cas où ils arriveraient à se libérer. D'accord, et pourquoi ceux qui l'auraient emprisonné n'utiliseraient pas du coup l'antidote sur eux ? Comment vous avez dit à l'instant qu'ils avaient une ribambelle de fioles sur eux. Comment voulez-vous que les personnes qui les capturaient sachent quelle fiole est l'antipoison avant qu'ils ne meurent du dit poison ? Et ces fioles, où sont-elles ? Mais puis disons que toi tu l'as touché à peine, donc t'as du temps à vivre. Le mec qui ingère ça, c'est la mort dans quelques secondes. C'est quasiment instantané, ouais. Mmh. Et ces fioles, où sont-elles ? Demandez aux marins qui servent à rien de leur repêcher le corps, alors. Vous l'avez jeté de quel côté du bateau ? À l'avant, à l'arrière, à la poupe, la peau ? J'essaye de sortir un peu d'abord, de quelques jargons de nautique que je connais. Bah, je leur dis exactement où parce que je savais pas okay. Où c'était. Bah, sur ça, je remonte et je vais voir. Vous bougez pas et vous picolez rien. Picolerez après. Et vous allez en avoir besoin après. Du coup, effectivement, vous voyez, vous deux qui êtes. Enfin, Marinette et Rolf qui est en train, effectivement. J'arrive pas à tailler le boulgras avec. Avec Mathilde, mais en tout cas, de lui faire le recap en fait de ce que vous avez fait, qui avait le matériel, ce genre de choses. Bref, de faire le point avec elle. Et c'est là que vous voyez effectivement Fiora qui remonte d'un pas rapide, Fiora ? D'un pas assez pressé, oui. Enfin. D'un pas assez pressé ? Oui, un pas assez pressé, oui. Plus pressé que d'habitude. Et donc, te revoilà effectivement en haut, sur le pont supérieur. Donc, vous allez remonter, est-ce que vous lui dites quelque chose quand vous voyez passer vers le pont du coup tribord, ben vers le bord tribord plutôt. Quelle mouche la pique celle-là. Et t'as Mathilde qui hausse ses épaules, vous savez, les Bodachi. Je regarde par-dessus le bastingage. Tu te penches effectivement, dans les zones noires c'est pas facile de voir ce qu'il y a. Il va falloir plonger, ça va être chiant. Ah non, je plonge pas. Hein. Super... Enfin, ça a pas l'air super profond, donc si, un peu quand même. Je me retourne vers les autres, vers Rolf. Je dis, est-ce qu'on a un bon nageur parmi nous ? Mais qu'est-ce que vous voulez faire ? Eh bien, c'est simple. Skorg a été empoisonné au cyanure et
il a potentiellement jeté le cadavre avec l'antidote sur lui. Et t'entends, mais quel con de la part de Mathilde. Non, en fait, c'est même sûr qu'il va mourir, et c'est même sûr qu'il a jeté l'antidote. À sa décharge, il ne le savait pas. Il a fait quoi de la part de l'infirmerie? Ah oui, du coup, le docteur, s'il a entendu ça, je lui dis, docteur... Peut-être qu'il a un antidote, si ça se trouve. Si vous avez un antidote, on ne sait jamais. Hein. Je sais que ce n'est pas courant, mais... Bah on peut essayer des trucs, mais... je vais embarquer dans un truc, et puis il commence à embarquer des trucs. Ah, s'il a de quoi ralentir l'avancée du poison quand il repêche le mec... Ça sera plus ça, parce que généralement, comme c'est des trucs plus ou moins faits, customisés par les espions... C'est un peu le délire aussi. Donc du coup, il descend, c'est pareil, et vous l'entendez jurer en... Dans toutes les langues qu'il connaît. Effectivement, donc toi, Mariette, tu l'entends jurer en disant « Bon sang, c'est pas possible de voir des mous du bras pareil, des abrutis, des... » Et il continue en descendre. En voyant le médecin, justement, qui arrive, et vu qu'il est chaud, je fais « Oh, non, c'est toi !» Quoi ? Qu'est-ce qu'il raconte, tu vois ? Ça va ? C'est la fièvre, il délire. Ça a l'air. Je me tourne vers Rolf, Rolf, vous qui êtes un athlète accompli, je suis sûr que la natation n'a aucun secret pour vous. Vous êtes sur un navire, il y a des marins partout, demandez-leur. Ah, il a peur de l'eau. Est-ce que le second ou le contremaître est dans le coin ? Tu vois pas effectivement. Mais putain, c'est à la flotte, bordel. J'interpelle un des marins et je lui dis allez chercher votre supérieur. Je sais pas comment on dit dans le jargon. Je vois les gaillards, quoi, d'accord. Et du coup, il te regarde et puis il fait... ouais, mais le Bosco ou le commandant, si je dérange, ils vont me demander pourquoi, hein, donc je peux pas les déranger comme ça. Mais bon, t'as besoin qu'un homme est tombé à l'eau. Ah, fais chier. Celui qui est... Mais, un mec tombé à l'eau, dit-il. Et vous entendez ça, hein, parce que du coup, Rolf et Mariette, bon, Mariette, t'étais peut-être pas au courant de ce qui s'est passé, mais Rolf, t'as vu effectivement ce qui s'est passé, hein, ce que Rolf fait, tu entends dire ça, hein, la mission. Et donc, il y a peut-être un regard d'incompréhension entre toi et Mathilde, je dirais. Ouais. Hein ? Pourquoi il fait ça, quoi ? Mais... Bah, il est pas honté, c'est qu'il a coulé, ça fait combien de temps ? Ah, bordel ! Je sais pas, 10 minutes ? 10 minutes, solo ? Ah non, mais c'est bon, vous pouvez attendre qu'il remonte demain matin. Hein. Commence à enlever, mais moi ça va durer 3 plombes, t'as vu l'armure que j'ai Mariette, est-ce que toi tu décides de plonger en les entendant ou est-ce que t'as... Il faut au moins que quelqu'un m'aide à l'enlever. En plus. Marinette va t'aider. Je suis blessée, je pense que nager dans mon état est une mauvaise idée. Mais oui, bien sûr, c'est pour ça que je demande à Rolf, c'est le seul homme compétent sur ce pont. Et t'as le marin qui fait... Non mais attendez, vous voulez quoi, il y avait du pognon sur ce mec Ouais, je crois qu'il avait un trésor sur lui. On est d'accord que je garde tout si je trouve des trucs. Et t'entends Mathilde qui fait bon, ça va arrêter de faire le gras, vite sauter donc tu sautes, abruti. Oui. Et ok. Et du coup, il sort. Ça choupire là. Et elle aussi, elle soupire, mais putain, bordel de marne merde. Du coup, je lui donne les indications au moment où il a sauté, où il est dans l'eau. Je lui indique plus ou moins l'endroit où je soupçonne que Skorg l'a jeté. Et du coup, le mec il va remonter peut-être au bout de 2-3 minutes. Avec effectivement. En repoussant le cadavre. Et en disant c'était pas les vrais, balancez-moi un bout de crétine. Je me retourne vers. Il a dit quoi ? Je me retourne vers les autres. Il a dit quoi ? Putain, un bout. Quoi ? Je regarde, je cherche un boot, alors j'essaye d'imaginer ce que ça peut être. Bon, on s'en met une corde, quoi. Bah voilà. Pourquoi est-ce que les marins sont obligés de... Bon, bah je lui lance une corde. Mais bah merci, on a failli attendre. Du coup, il fait... Bah allez-y, tirez, faut me filer un coup de main, là, parce qu'il est lourd. Bon, oh, je vais lui l'aider. Rolf, je crois qu'on a besoin de vous. On a besoin d'un homme fort, là. Donc, je vais de l'autre côté. J'enroule la corde autour de mon bras et... Non, j'attrape juste la corde qu'elle tient maladroitement, j'imagine. Ok, et tu tires dessus, effectivement. Pour un mec de ton calibre, c'est pas très dur, hein, surtout que le marin, à partir du moment où il a, on va dire, les pieds sur la coque, il t'aide. Hein, oui, bien sûr. Et il grimpe, après, le cadavre doit être lourd. Hein. Il balance effectivement le mec à bord en disant gros tas celui-là. Et en plus, elle est froide, dit-il. Et je. Donc, voilà, c'est tout, c'est bon, vous avez besoin d'un coquillage pendant qu'on y est.
Je récupère le collier de fiole et je dis le reste est à vous. Ça vous fait plaisir. Péter. Bon, en espérant que c'était pas et ça. Et c'est quoi le liquide? Il y a quelque chose? Ça sent bizarre. Mariette, toi, ça t'évoque quelque chose, mais t'es infoutu de mettre le doigt dessus quand tu sens l'odeur. Bah, tu vois, ça peut-être. Toi, Rolf, ça sent un petit peu comme si c'était un peu le pourri ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que tu vois que ça a un petit peu attaqué le bois du navire, mais ça a touché le bois, donc ça a l'air de. Ok. Bon, moi je vais le prendre avec précaution. Comme tu dis que c'est même. Effectivement la capitaine ou le commandant, il voit ça, ça va ronfler. Hein. Je le prends avec prudence. C'est quoi? C'est un collier en fait? C'est un espèce c'est, de collier Ouais, ça... enfin, faut que t'imagines en fait comme une. Comme une bandoulière? Ouais, ça, une bandoulière. Il y aurait que des fioles en fait reliées par un fil. D'accord. Donc je prends ça et je descends dans la soute avec. Sans courir. Et t'entends un merci, ça t'écorche le cul, connasse. Ouais, j'avoue. Je l'ignore. Oh, t'es un seul. Et il est en train effectivement de tortiller son maillot de corps pour essayer de se sécher. Ouais. Et donc tu redescends en dessous. Et pendant ce temps-là en dessous, ben c'est pareil. Donc tu t'es fait copieusement insulter par Arthur de Serre. Oui, Arthur de Seine. Scorg. Quand il a vu que tu comprenais pas le montage, il est passé en Saint-Éan et là t'as bien compris ce qu'il disait. Et tu comprends pas d'ailleurs pourquoi Odin t'insulte et d'un coup tu te mets à flipper que tu vas finalement aller à Niflheim et pas au Valhalla. Et du coup, y a Fiora qui descend avec vous et qui ramène les fioles. Ah, du coup, au moment où elle ramène les fioles, je les prends, je les détache une par une précautionneusement et je les pose sur. Tu peux comprendre, toi, en voyant ça, pourquoi effectivement, si le type s'est infiltré, peut-être dans la confusion, peut-être qu'il n'était pas avec les autres, t'en sais rien, mais c'est pas extrêmement bizarre qu'il y en ait un qui soit sudé et les autres qui soient tirés en courant. Normalement, si t'es tous du même groupe, ils seraient tous butés. Ouais. En tout cas, ceux qui traînaient à l'arrière, ou en tout cas, ils seraient jetés sur vous pour retenir et pendant que l'autre s'opérait. Donc, c'est pas extrêmement bizarre qu'il y ait un mec qui est dans ce coup-là. Et tu te demandes s'il n'est pas allé aussi à l'esbrouf vers Mathilde en lui disant qu'il allait faire sauter le navire avec ses fioles et qu'il a peut-être pensé que c'était du liquide explosif comme ce que tu as transporté. Mmh. Et t'analyses ses fioles par une, bon bah c'est du liquide après une ou l'autre, c'est un peu compliqué. Là, il me reste deux points d'érudition. Ouais, il va te falloir les deux. Ouais, je vais clamer. Bien sûr, je vais cramer les deux. Ok. Donc tu vas faire la chose intelligente, c'est-à-dire chercher l'odeur, tout simplement, au nez. Alors, je t'avouerai qu'en théorie, normalement, faut vraiment pas faire ça. Hein. Il suffirait que l'une d'entre elles, ce soit un somnifère ou une connerie comme ça... Ouais, le docteur te mettra une claque, c'est pas grave. Ouais, bah j'espère qu'il a du sel... Mais je dirais que non seulement tu fais ça au nez, mais en plus tu fais ça dans la texture de la fiole. C'est-à-dire que dans la matière dans laquelle elle est faite. Parce qu'il y en a qui sont en argile, il y en a d'autres qui sont en verre. Mmh. Et clairement, donc tu vas trouver effectivement une qui te paraît être la bonne. J'aime bien le pari. Bah c'est ça, disons que dans ta tête tu te dis de toute façon, soit il crève, hein, exactement, donc. Bah je demanderai bien au doc son avis. Il te regarde, il fait bon choix. De toute façon, c'est ça, on lui coupe les deux bras et les deux jambes. J'espère qu'il va pas se débattre pendant qu'on va lui faire avaler ça. Ouais, pensez donc. Alcool. Pense le nez, score, il fait allez, tu sec. Allez, cette petite mignonnette. Bah, est-ce qu'il a des symptômes qui sont déclenchés, l'autre? Ben, en fait, pas tant que ça. C'est-à-dire que pour le coup, il a un peu flippé quand t'as ouais, parlé, donc du mais... coup, en fait, il a juste somatisé. Ouais, complètement. Voilà, mais il a rien sinon, quoi. C'est ça. Juste la sueur qui t'a fait dire, en fait, ça se trouve, il est infecté aussi, mais en fait, non. Donc c'est le pire truc que t'aies jamais avalé, et pourtant je sais si effectivement t'as bouffé des trucs. À un moment, ils sont obligés de te tenir parce que t'es sur le point de le gerber le truc. Bon, au passage, je fais attention en lui retirant les garrots des fois que l'afflux de sang lui fasse arrêter le cœur. Oui, non, c'est con. Voilà. Et effectivement, le docteur note ta compétence et dit « Bravo, Jdom, je pense que votre réactivité lui a sauvé la vie, votre ami. Il risque de passer une nuit bien difficile, mais... C'est un gastoïde, dit-il en tapant sur son dos. Bon, au passage, est-ce que j'ai réussi à identifier ce qu'il y avait dans les autres fioles? Est-ce qu'il y avait des explosifs? Est-ce que c'était vraiment là pour pouvoir nuire au navire? Si ça avait été des explosifs, oui. Tu dis que si c'était effectivement, vu la quantité et le nombre de fioles, si ça avait été des explosifs et que Scorg avait vraiment balancé que Vardor, en fait, vous auriez pas attendu la réaction, c'est qu'il y aurait eu l'explosion et trou dans la coque côté tribord.
Bah du coup je le prends sur mon épaule, enfin je lui prends sur mon épaule, je l'aide à se tenir debout. Il est encore légèrement conscient ou il est complètement... Ah là il est out littéralement. Le truc, ça... Bon bah je vais demander à son ami Vesten de me filer un coup de main pour le porter jusqu'à l'infirmerie. C'est bon, il est plus contagieux là. Et t'entends tout le pif. Bon sang, c'était pas une maladie, c'était un poison, petit techno. Et comme je ne savais pas de quel poison il s'agissait, au début, j'ai préféré prendre mes précautions. Putain, il dit... Je vous dis pas, si vos amis sont aussi faiblards que ça, ils vont jamais tenir un jour dans la jungle. La première fièvre, ils seront par terre. Sur le pont, hein, du coup. Rolf et Marielle, qu'est-ce que vous faites? Eh ben, est-ce que avant qu'il remonte, on peut faire quelque chose? Oui, absolument. Bah, du coup, j'avise Marinette et je lui dis... Pendant que notre cher docteur est parti, ça vous dirait qu'on aille interroger notre captif? Nous devons en savoir plus. C'est ce que j'attendais.